En live, j'ai posé la question, on a posé avec Gwenda la question à Janel de savoir parmi tous les youtubeurs actuels celui qu'elle trouvait un petit peu le plus mignon, et à ta grande surprise, elle a répondu ce mec-là. Et donc du coup, tu lui dis, okay. Attends, je suis en train de me cacher, je suis dehors et tout, là c'est le moment de Janel qui passe. Et... Ouais, ouais. Enfin, je vous laisse improviser comme vous voulez après. Donc c'est bon, c'est parti. Attendez, parce qu'il faut pas que je montre le contact. Enfin, voilà. Ouais, bah oui. Hop. Attention, on appelle W. Alexandre. W. Alexandre. WR. Donc, je sais pas pourquoi ça marche pas. Voilà. Salut. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Attends, je vais faire ma fenêtre. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais ça va. Bah, je t'appelle comme ça. Puis en plus, genre, je t'appelle maintenant parce que j'ai un truc à te dire. En fait, tu vois, on est à Paris là. Je suis avec donc j'étais avec Janel, etc. Ouais, je sais, tu m'avais dit. Et ah oui, je t'avais dit. Ok. Et donc on était au G Live. Ouais. Et en fait, je vais être franche. Hein. Je crois que Janel a un petit truc pour toi. Genre. Mais ce qui s'est passé. Bouge avec ton prank là, elle est à côté de toi, c'est ça? Quoi? N'importe quoi, elle a 12 ans. 13 ans, je sais plus. Bah oui, mais... Attends, je te la passe. Non. Bah, elle est un peu timide. Explique ce qui s'est passé pendant l'émission qu'on lui a posé la question. Non, mais en fait, comment? Tu m'as dit qu'elle est kiffée à fond, Enzo, et même toi, tu... Non, mais non, mais ils sont juste amis. Je tiens juste à dire que c'est pas vrai, hein. Ils sont juste hyper amis. Hein. Non, c'est possible. Chut. Donc, excuse-moi, en fait, je pense que ça bug un petit peu. Donc, pendant l'émission, Kevin, il lui a posé franchement, est-ce que t'as une target? Et en fait, je pense qu'elle a pas fait exprès, puis elle a dit Alexandre. Donc, voilà. Taisez-vous. Mais si, elle t'aime bien toi, enfin, c'est ce qu'elle a dit en fait. En fait, elle l'a dit, puis après, elle a dit non, personne. Tu vois, comme si elle était un petit peu gênée, tu vois. Non, mais alors déjà, il y a 10 000 autres avec membres de cette terre, et puis en plus. Non, mais après, moi, elle me l'a dit, parce que tu vois, on est bien potes, et donc voilà. Bah, elle me l'a dit tout à l'heure en fait, après le GULive. Genre, je l'ai raccompagnée à sa gare. Dis-lui, ça lui lâche, c'est pas grave. On lâche. Bon, au pire, c'est pas grave. Hein. Mais Alex, l'amour n'a pas d'âge. Attends, bah toi, t'as bientôt 18, donc ça fait 6 ans. Ça va? Mais je sais pas quoi dire, moi. Oui. Mais oui, mais elle t'aime bien. Enfin, c'est un... Je sais pas, c'est un coup de cœur. Je te trouve beau. Je te trouve beau, quoi. Voilà. Non, mais pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça avant? Parce que, elle me l'a dit aujourd'hui, Janel. Sinon, toi, tu l'aimes bien? Je sais pas, c'est gentil, oui, mais pas comme ça. Ah. Ah. Dis-lui, essaye. Au pire, essaye, je sais pas, moi, je peux te donner son numéro et... Non, mais, non. C'est dommage, hein, parce qu'elle t'aime vraiment bien. Ouais, oui, hein. Elle est belle. Puis elle est jolie, Franchement, je te pensais plus cool. Je comprends pas si tu vas. Mais je comprends pas si tu es. Est-ce qu'elle entend ce que je dis ou pas? Ouais, non, elle entend pas, mais toi, tu l'entends, je pense. Ah,
Non, elle entend pas ce que tu dis. Enfin, si, elle entend. Non. Si, balance un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est bon. Mais imagine, il dit quelque chose. Dis, j'ai mes écouteurs. Mais Janelle, elle aime pas Enzo. Je t'ai jamais. Toi, pas Enzo. Je t'ai jamais dit ça en plus. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle. Je t'aime. Non, je t'aime toi, pas Enzo. Elle t'a parlé là? Je suis censée avoir enlevé le haut-parleur. Oui. Bah franchement, moi je te pensais plus cool que ça parce que Janelle, elle t'aime vraiment bien. Laisse tomber, il m'aime pas, c'est bon. Tu vois, maintenant elle est déçue. Bah au pire je te rappelle plus tard, on parle de ça ce soir. Ok? Attends, j'ai un message de Lou. Et il y a Lou, il vient de me dire, t'es au courant, Janelle, elle te kiffe. Lou, il a dit ça? Qu'est-ce que... Attends, mais enlève le micro. Lou, t'es trop mignon. Voilà, le micro a été enlevé, donc Lou, t'es trop mignon de lui avoir envoyé ça. Donc du coup, tu dis que c'est parce qu'elle l'a dit, elle l'a dit dans le Gu Live. Ouais, je pense que c'est parce qu'elle l'a dit dans le Gu Live à Lou. Enfin, genre Lou, il était peut-être sur le live tout à l'heure. Non, mais arrêtez, je suis sûre que vous avez privé un truc là. Bah non, mais bon, au pire, c'est pas grave, hein. Je te rappellerai plus tard et puis on en parlera. Ok? Mais tu peux pas lancer, toi? Non, là, je peux pas. Mais par contre, faudrait vraiment qu'on parle parce que entre ce que tu dis avant hier, ce que tu dis maintenant, il y a un gros problème. Mais. Ok, on s'appelle ce soir. Bisous. Ah non, mais ça, c'est mais rien. Ok, rien alors dit. Je vais vous laisser 5 minutes pour débriefer ce qui vient de se passer. Attendez, en fait, apparemment, t'as je pense que. Non, mais je sais pas ce qu'il a, mais franchement, j'ai jamais dit que Janelle et Enzo, vu que je sais très bien. Et je suis la première à le dire que Enzo et Janelle sont juste. J'adore.